Bonjour, avez-vous un musée à me conseiller à Reims? Oui, à l'hôtel du Vergeur, place du Forum. Le musée Le Vergeur, place du Forum. Bonjour. Bonjour. On m'a conseillé de visiter votre musée. Quelle est la spécificité de ce lieu? À la différence de beaucoup de musées actuellement, ce musée est resté une maison particulière, avec tout le caractère domestique, mais domestique chic, que peut avoir un musée. Il a une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle de bain, une salle de réception au rez-de-chaussée. Justement, vous me parliez de salle à manger. Vous pouvez me dire un peu plus? Alors, c'est une pièce de réception, bien sûr. Elle est entièrement meublée en meubles Louis XVI. Et on a poussé la délicatesse jusqu'à poser le couvert avec des éléments de table destinés aux commensaux, des verres en cristal, une argenterie pour les couverts, de la porcelaine blanche monogrammée au dernier propriétaire de cette maison, hein, pour décorer cette maison. Qui a vécu dans cette maison? Alors, c'est le premier propriétaire de la maison qui s'appelait Monsieur Hugues Kraft, et il a décidé de créer une société des Amis du Vieux-Reims qui aurait pour mission de conserver jalousement le patrimoine rémois qu'il jugeait être d'une qualité exceptionnelle. J'ai vu une jolie chambre en jaune et bleu. Cette chambre renferme tous les meubles que Madame Kraft, la maman du dernier propriétaire, avait eu en dotation à son mariage. Elle s'appelle la chambre Napoléon III. J'ai vu également ce chambre avec des instruments. Est-ce que Monsieur Kraft était un musicien? Il n'était pas spécialement musicien, mais il était amateur de musique et il a acquis cette guitare qui représente toutes les saisons. Hein, c'est une guitare laquée d'ivoire. Elle représente les saisons et elle est du XVIIe siècle. Parmi les œuvres de peinture qui se trouvent, il y a le portrait de Madame Fossier qui, à cause de ses dimensions, n'avait qu'une place possible dans le musée. C'était dans l'escalier de pierre qui mène au premier étage de l'aile Renaissance.